Si vous avez suivi sur Twitter, j'ai dit que j'avais fait un petit achat à cause de cette demoiselle qui m'a. Bah en fait, elle a fait acheter un iPhone à arrêt, elle me fait acheter quelque chose que nous allons voir dans cette vidéo. Ok, go m'acheter un iPhone maintenant. Et elle veut acheter un iPhone comme nous, parce qu'en fait elle a un iPhone depuis 4 ans et il commence un peu à bugger, ouais. Du coup, ce serait pas mal. Les gars, on a fait du jet ski, si vous avez pas vu, aller voir le vlog d'hier. Franchement, c'était trop bien, on débarque de rire et tout. Et là, on a des courbatures avec les filles. C'est pas possible. C'est une horreur. En bas du dos là. En bas du dos, un peu les bras. On a hier soir, on avait plus de force, on arrivait à peine à soulever nos verres et tout. C'était vraiment horrible. Quoi ? On faisait tout tomber et tout. Bah les fraises, je les fais tomber parce que ma main elle faisait. J'ai pris les fraises. Ah ouais, nos mains elles tremblaient de ouf. Non, en vrai, en plus personne tombait au jet ski. Franchement, ça c'est pas mal. Et on s'est grave éclaté. On allait trop à fond. On faisait des bosses, on allait à fond. On voulait pas se baigner dans la mer. Par contre, là on est en train de réfléchir un truc parce que nous trois on a imaginé la même chose, on pensait aux requins. Est-ce qu'ils vont plus vite ou pas que nous? Bon, ils vont clairement plus vite, hein, une fois que j'y pense. Bah si, on va à 60 km/h. T'imagines un requin blanc en mode vous allez méga vite, je me suis dit est-ce que genre il y a un requin blanc derrière elle, elles se font croquer ou pas? En vrai, ouais, il va plus vite que nous. Moi, ce que je me suis demandé, c'est parce qu'en fait on avait vu juste avant une vidéo sur TikTok d'une vague, ça filmait et ça va sous la vague et on voit un putain de requin arriver. Parce que c'est ça qui nous a fait grave flipper. Parce qu'on a vu ça juste avant et du coup, on flippait à la mort après. On aurait dû voir mégalodon avant. Mégalodon, non, vraiment, c'est ma phobie. Genre, ce qu'il y a en dessous, comment ça s'appelle déjà? Les bas-fonds. Les bas-fonds, ouais. Genre, on n'a jamais exploré ça et moi, c'est vraiment, je crois que c'est la chose qui me fait le plus peur au monde. Genre, l'espace et tout, ça me fait pas peur, mais les profondeurs là, qu'on n'a jamais exploré. En commentaire, est-ce que ce serait pas bien qu'ils disent est-ce que vous avez plus peur de l'espace? Ou est-ce que vous avez plus peur genre des profondeurs sous-marines? Ouais, elle nous a posé cette question hier. Vous avez plus peur de l'espace ou des profondeurs sous-marines qu'on n'a jamais explorées et on sait pas du tout ce qu'il y a et vraiment c'est méga lourd. Non, en vrai, dites-nous, moi c'est les profondeurs. Claire, et toi? Moi c'est les profondeurs. Hein. Je crois que cette personne a un peu de courbatures. Ah, j'ai des courbatures aux jambes, là, aux cuisses, en bas du dos. Bon, c'est on dirait des vieilles quoi. Là, je devais ranger le lit, même soulever ce coussin, c'est un supplice sur mon bras. Ah, je vais mourir. Non. Mais viens là, franchement. Hop. Je bouge plus la journée. Je crois que les gars, j'ai trouvé mon parfum. Il y a quelques jours, je suis allée chercher à Sephora un parfum. Et la nuit trésor de Nude, je le mets depuis quelques jours et je crois que je suis amoureuse là. Vraiment, il est trop bon, il sent trop bon. J'aimerais que vous puissiez sentir avec moi là. C'est la coco, c'est les vacances. Je crois que j'ai appelé ma grand-mère pour qu'elle achète en Espagne. Ok Google, allume canapé. C'est mieux un peu pour la luminosité là, non? Vous en pensez quoi? Bon allez mamie, petit achat à faire. Allô mamie, ça va? Ça va? Non, rien, je suis avec des amis. Je t'appelle parce que j'ai trouvé un parfum et je crois que c'est en forme parfum et je veux savoir si tu peux l'acheter en Espagne. C'est quoi déjà? Ok, j'ai. C'est la nuit trésor. La nuit trésor de Nude, N-U-D-E. Tu regardes mes blogs sur YouTube, mamie. Je suis morte, je pensais pas. Bonjour, mamie. T'aimes bien? Coucou, mamie. Oui, la blonde, tu la connais, ouais. C'est moi qui l'ai faite, la tarte aux fraises. Non, c'est moi. C'est le robot. Ouais, elle était tellement bonne, je te la ferai goûter. Gros bisous, mamie. Bisous. Bisous, mamie. Bye, ciao. Moi, on est trop mimi. Genre mon parfum. Elle est à ma chambre, ça? Ouais, c'est mon chat en Espagne. Bon les gars, c'est parti, je vais chercher mon petit colis et elle va chercher son colis. Attention, hier on a acheté quelque chose. Non, on dépense trop là, mais après c'est chacune dépense son truc quoi. On se fait plaisir, on s'est tous fait un gros cadeau cette semaine. Il fait trop chaud. En fait c'est la clim, ça m'habitue à une chaleur, à une fraîcheur. Et là quand on sort, et bien on découvre la vraie vie. Mmh. Chez moi j'ai pas de clim de base, donc quand je sors ça va tu vois. Là. Attends mais tu vois pas un problème avec mon rétro là? C'est qui a fait ça? Un mec bougon. Mais normalement tu fermes le rétro dans l'autre sens tu vois comme ça. Quand tu passes à côté. Non lui il me l'a fermé dans l'autre sens. Et ça casse les rétros, ça c'est pas fait pour aller dans l'autre sens. Je vais m'énerver là, je vais le retrouver. Attention. T'es ressenti sur la chaleur? Mais ma clim elle marche pas très bien, ça me saoule. Faites des dons pour que Juliette s'achète une voiture. Je veux une Tesla, c'est bon, il m'a convaincu au moins. C'est vrai? C'est trop bien les Tesla, je te jure. Mais moi je veux un 4x4 là, c'est quand ils sortent le 4x4? Mais tu as vu le 4x4 à quoi il ressemblait? Ouais, mais un vrai 4x4.
le 4x4 numéro 2. La V2. Ah, c'est dans un casier là-dedans. Ouais. Attends, mais c'est la nouvelle technologie. Bon bah les gars, je vais retirer mon petit colis. Aïe, je vais me casser la gueule. Amazon Locker, mais je connaissais pas. Quelqu'un connaît ça? Ça va s'ouvrir. Devinez où elle est. Ah, elle est là-haut. Aurélien, elle ferait comment là-haut? Tu arriverais? Vas-y, essaye. Ça se fout de la gueule de ma taille, hein. Non mais je l'ai mis au bord. Il va t'en imaginer enfoncer. Ok, attends. Attends. Imagine, j'arrive plus moi aussi. Ah, mais qu'est-ce donc cette histoire? Qu'ai-je commandé? Ah ouais, ça. Elle m'attend avec ça quoi. Anti-corona. Mais wesh, tu veux que je prenne une douche? Pardon. Elle m'a fait. Elle a acheté quoi à ton avis? Je sais pas, je me demande. Putain, mon appareil est d'une très bonne qualité, je ne comprends pas. Comment ça? Mon appareil est d'une très bonne qualité. Juliette, que penses-tu de l'appareil, de la qualité de l'appareil? Bah j'aimerais bien avoir le même quoi, mais bon. Ta-da! Mais non. Mais non, le dernier modèle. C'est à cause de qui que j'ai acheté ça? Mais non. Sharon. Non, à cause d'Harry, parce que c'est Harry qui l'a le ouais, truc. Ouais, ouais, mais c'est toi qui a forcé pour qu'elle l'achète. C'est vrai, on est dépensiers, on est plus... En fait, Harry, je voyais la qualité de ses blocs comparé au mien, ça me coûtait un peu le seum, je suis en mode putain, mais pourquoi j'ai pas une bonne qualité et tout. Du coup, bah, j'ai craqué. Donc du coup, les blocs de juste seront de meilleure qualité. Bon, on va tester ça. Ça se voit déjà. Oh non, bon investissement. Je crois que je vais être contente. Regardez, avant d'acheter une coque, j'ai fait une coque contre le corona. Pas mal. Moi, si je le mets dans mon sac, il va pas être griffé. Eh oui. Plutôt cool, hein. J'aime trop venir ici, là, parce qu'on peut faire des photos instantanément. Tu branches ton iPhone, comme je viens de faire, et t'as les photos. Arrive ici, donc voilà le petit shoot d'hier. J'aurai les photos et tu prends ça pour les mettre dedans. Je suis trop contente, j'aime trop. Bon, finalement, elle a pas son iPhone. Ils vont m'appeler, je leur ai donné mon numéro et ils m'appelleront quand ils l'auront retrouvé quoi. La pauvre, elle fait elle bouille. Je te jure, j'ai les nerfs, j'ai envie de les insulter, mais j'ai pas de peur. Ça te convient? Tu fais genre, tu fais une promo sur ça sur Instagram. Un story. 2, ok. 3, 2, 1, 2. Non! Oh, reverse! Reverse! Oh non! 3, 2, 1. Oh. Oh yes! J'ai perdu un. À combien? Je dois parler américain avec les. Hi! Oh, tu prends un sac à 5 centimes avec? Ouais? Ouais? Voilà, c'est. Comment? What did you say? Oh, sorry. Do you need a bag? Oh no, this is 5 cents. Yeah, please. Do you have the Apple Pay or not? Yes. Okay, great. Bon, Sharon vient d'être appelée. On va où, Sharon? À la fenêtre. Récupérer quoi? L'iPhone. Enfin. 1h30 après, mais ouais. Sinon. 1h30 après. Ils ont trouvé le téléphone, il devait être perdu. C'est parti. Finally, she got this. Yeah. Yeah, man. Pour tous ceux qui se posent, c'est du Louis Vuitton. C'est pas du Louis Vuitton. En Italie. Non, je n'achèterai pas, je vais pas craquer. Je ne vais pas craquer. Bon, les gars, là, on va aller à Odysseum. On reste au Casa Inessa, mon resto préféré. Casa Inessa. Casa Inessa. Et du coup, voilà, elles ont leur iPhone, elles ont tout, on a tout pris là. Attendez, il faut que je prenne ici un truc parce qu'on ne peut plus passer. On vit au-dessus de nos moyens là. J'avoue que. Alors là, Judith, on vit au-dessus de nos moyens. On abuse un peu. Enfin, moi, j'abuse pas pour le moment. À part l'appareil photo, ça va. C'est pas aussi cher qu'un iPhone quoi. Pepperoni spaghetti. Bon, on avait promis qu'on allait à la salle, mais les gars, finalement, on a fait plus. On fait beaucoup plus. On fait que des activités, que ce soit ski, jet ski ou jumping world. Là, on va faire. Un petit spoil. Ils vont essayer de lire sur les lèvres. Essayez de lire, les potes. Essayez de découvrir ce que c'est. Si vous trouvez dans les commentaires, on fait quoi? Et bah, vous jugez.
Oh, j'ai envie d'acheter un truc à la grande récré. Oh non. Je veux acheter du sable magique, je veux voir ce que ça fait. Mais quoi? Mais c'est quoi ce délire que tu as? Mais j'en ai marre de boire de l'ASMR avec du sable magique. Oh ouais, j'avoue, on y va. Hop, pour Fortnite. Je voudrais un bonhomme de neige. Bon, finalement, j'ai acheté une coque moi aussi. Une coque noire et Harry elle a acheté orange. Ouais, tout le temps. Orange fuchsia, je dis orange fuyau. J'aime non, c'est trop beau, je trouve. Moi j'ai acheté mon sable, c'est tout ce qui m'importe. Et là, on va au resto. C'est parti. J'ai super mal au cou. La casa, il est ça. Morito comme d'habitude, un Virgin Morito comme d'habitude et une Penta. Chin chin, à nos vacances. Arélienne au restaurant. Oh, je suis KO. Je crois que la prochaine fois les gars, je vais au restaurant solo, j'ai un peu honte là, elle me fait honte. Je crois que je vais partir en courant, je les laisse payer en plus. Bon bye ça. Je te défonce quand en fait. J'ai fait semblant qu'il notait des meufs alors que c'est pas vrai. Je te défonce quand? Attends. À noter les meufs, non mais c'est déjà. Pour moi c'est la dernière. Vas-y continue. Tu pars à qui là? À Sand. Et bah qui laisse se faire enculer. Mais il les note. Il les note pas, il regarde où c'est une chihuahua mec. Oui. Il y a un piège là-dedans. T'es moi j'ai pris moi mec. Il s'amusait juste à voir qui était le mec. Attends, trouve le piège. Je reviens dans quelques secondes. Ah mais tu vas filmer comme la mais c'était un prank qui notait pas les meufs. Mais attention, en plus je suis pas salle, je d'un coup hein. Et c'est le instant alors qu'elle a des courbatures, je suis pas. Ah oui, tu t'es un âne. Mais oui. Bon, elle va me faire tester son sable magique là. Ok, regarde, là c'est liquide. Oh, je veux. Et ce que tu veux que tu fasses, c'est que comment tu ça c'est liquide bien. Là tu serres bien, fais une boule, voilà comme ça, tu fais bien une boule et tout, ok. Et là, attention, hop, on met par-dessus, tu vas séparer, hop, et ça va glisser en liquide. Ça redevient super... Hop, t'as vu? Ouais, alors que là, il est super dur, genre. Parce qu'il faut que tu le coupes. C'est cool, hein? C'est lourd. T'as payé ça combien, rappelle-moi? 12 euros. Mais je voulais tester. J'aime bien les vidéos ASMR avec le sable magique, c'est cool. Un jour on fera une vidéo ASMR. Combien? Mais non, Juliette, haute combien une vidéo ASMR? Haute combien? 2. Hein? 2. De quoi 2? Non, 4. Ah, non, ça dit 2. Ça dit 2. Vas-y, 2. 3, 2, 1, 1. Allez, Juliette, vidéo ASMR sur sa chaîne. Le mois prochain. Ouais, j'ai un septembre, faut que je le sorte en septembre. Vas-y. Je te prêterai le sable magique. Salut, Juliette. Vous vous souvenez ce qu'on avait acheté au premier vlog? Et bien voilà, on s'en sert enfin devant du Netflix. Oula! Allez, bonne nuit! Par lequel? Bon les gars, c'est une fin de vlog. Je suis KO là. On a une semaine, j'en peux plus là, je crois que c'est la journée. J'ai besoin de dormir. Du coup je vais cut le vlog là, on a fait une petite soirée ici, masque et tout ça. J'ai bu du thé, je me suis brûlé la langue, j'ai encore super mal à la langue, j'en peux plus. Bref, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé la nouvelle qualité vidéo. Et voilà, bisous avec les filles, elles font le lit derrière. Oh non, pas ça, bonne nuit. Bonne nuit.